vrai prophète, vraie parole. Faux prophète, fausse parole. Ou bien interprétation. Ou bien traduction, doctrine, ou bien dénomination. Deviens membre de ceci et de cela. Accepte cela, récite cela, crois cela, fais cela. Un peu ici, un peu là. Mais la vraie parole vient au vrai prophète et il prêche la vraie parole. Et vous suivez la vraie parole et vous recevez les expériences authentiques sur le fondement de la parole authentique. Amen. Car la parole était devenue chère. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et la parole de Dieu, comme un fleuve, jaillit et se déverse en vous. Alors Dieu est en vous, c'est ce que la Bible dit. Vous êtes devenu participant à sa nature divine. Alléluia. Et c'est ainsi que vous faites les œuvres de Dieu. Comme dit la Bible, des faux prophètes vous éloignent du vrai Dieu. Vous voyez, la Bible dit, vous voulez les écritures pour cela, 2 Timothée, chapitre 3, il est écrit, faux prophètes ont assez de la vraie parole pour l'interpréter, pour la falsifier. Ils ont assez de la vraie parole, car ils ont la forme de la péter. Et pour avoir la forme, il faut avoir beaucoup de la vérité. Mais il renie ce qui en fait la puissance. Quelle puissance? Je dois le dire. Vous voyez, servez Dieu. Il renie toute la parole. Pas de sauter ici et là, danser ici et là, couper les cheveux, etc. Les faux prophètes vous le permettent de vous habiller aussi comme vous voulez et disent cela ne fait aucune importance et différence. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui disait, pourquoi est-ce que dans le monde, tu ne laisses pas les femmes ensemble, les femmes seules, et les femmes tranquilles, et les hommes tranquilles. Les gens croient que tu es un prophète de Dieu. Je leur ai dit, je ne le suis pas. Et il a dit, mais les gens te croient, mais pourquoi est-ce que tu n'enseignes pas comment ils peuvent recevoir des visions et faire les œuvres de Dieu et enseigne. Mais je lui ai dit, mais ils ne connaissent même pas encore leur ABC. Et ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore compris leur habileté. Comment est-ce que vous pouvez prendre un enfant du jardin d'enfants et l'amener dans une école supérieure et lui apprendre l'algèbre et les mathématiques difficiles? Comment est-ce que vous pouvez savoir ce que signifie l'ABC? L'ABC, c'est seulement croire à Jésus, de l'anglais. Ne croyez pas, ça c'est l'ABC, ne croyez pas à une église, croyez Christ. Pourquoi? De le reconnaître lui, c'est ça la vie, n'est-ce pas? De le connaître lui, pas de connaître une doctrine ou bien une confession de foi d'une église. Même de connaître sa parole, ça ne suffit pas. Vous devez le connaître lui, le connaître lui en tant que personne, en tant que sauveur personnel, rédempteur personnel, lui, le connaître. Et comment? C'est par la nouvelle naissance que c'est possible, pas autrement. Comme Jésus-Christ disait à Nicodème, si tu ne peux pas croire les choses terrestres, comment est-ce que tu croiras les choses célestes? Comment est-ce que vous pouvez croire alors? Vous voyez, l'Esprit montre des visions et fait ces choses. Et si vous ne croyez pas les choses terrestres, comment est-ce que vous pouvez alors croire le reste? Ils ne peuvent même pas croire qu'on doit arrêter de fumer, qu'on doit changer ses habits, qu'on doit s'habiller décemment. Ils ne peuvent même pas croire, savoir comment s'habiller. D'abord, ils ne peuvent même pas croire qu'on doit se dépouiller, arrêter de faire ces choses. Comment est-ce que je peux leur enseigner d'autres choses pour qu'ils puissent entrer dans ces choses? Oh, les faux prophètes ont la fausse parole, des doctrines, des dénominations, etc. Mais disent malgré tout, gloire à Dieu, etc. Ils ont ici le manteau d'Élie et disent, gloire à Dieu, honneur à Dieu et encore autre chose là-bas. Vous voyez? Et il y a quelqu'un qui disait, oh, cela est venu sur moi. Et qu'est-ce que vous faites après? Comment est-ce que vous vivez après? C'est ça la question.
Vous voyez? Pas de tentation. La question est, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Pas glory, glory, glory. Je dis glory et après de parler quelque chose, non, ça ne suffit pas. Vous voyez? Quelle vie vous vivez après, vous menez après? Et quand on parle du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous dites que c'est du fanatisme, qu'est-ce qui se passe alors? Vous voyez? Vous devez être lavé par l'eau de la parole. Alors vous croirez chaque parole telle qu'elle est écrite. La Bible dit que les Écritures n'ont pas, ne permettent pas une interprétation particulière, personnelle. La Bible dit ce qu'elle dit et ne permet pas une interprétation particulière. 2 Pierre chapitre 1, versets 19 et 20. Tel que c'est écrit, c'est comme ça que nous devons le croire et aller seulement d'écriture en écriture sans interpréter. C'est ainsi que les mêmes résultats vont être manifestés. Des faux docteurs vont enseigner et apporter des fausses paroles et des faux enseignements. De vrais prophètes vont créer, apporter une vraie naissance par la parole originale prêchée. Des faux prophètes conduisent à une fausse naissance, à faire naître dans une église, à faire naître dans une dénomination et à faire naître dans des doctrines. C'est ici que vous êtes pentecôtistes. Des fausses expériences, des sensations. Vous pensiez avoir le Saint-Esprit alors que vous aviez eu de telles expériences de sensations. Alors comment est-ce que des gens possédant des langues étrangères et même interprétées, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est ce qui est dit. Vous dites, mais frère Branham, est-ce que tu crois parler en langue? Oui, moi je le crois. Je crois à tout, à exalter dans l'esprit, à tout, à louer. Mais si la vie n'est pas présente pour soutenir l'expérience, alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Je crois la parole de Dieu. Ne dites pas seulement Alléluia et vivez comme vous voulez. Ne faites pas que parler de Christ, mais soyez humble et doux et plein de bonté. Soyez comme il était. Vous voyez, quand on va dans une ville, d'abord, on doit s'être parfaitement peigné, habillé parfaitement. La veste n'a pas le droit d'avoir de plis, etc., etc. Et il faut ensuite qu'une certaine somme soit garantie avant de pouvoir tenir une réunion. C'est comme ça aujourd'hui dans les dénominations. Vous voyez, c'est faux. Ils représentent devant les yeux des hommes assez de vérité, donc ils ont la forme de la piété. Je voudrais que vous puissiez écouter cela. Ils ont des fausses conceptions. Est-ce que vous savez ce que cela fait? Des fausses prétentions, des fausses acceptations trompent des millions de personnes, conduisent des millions de personnes dans une fausse naissance. Des faux docteurs. Ils croient à des sensations, à des expériences de sensations. Vous pensez que c'était une sensation déjà, c'est déjà vous l'avez reçu. Il y en a qui ont vu une lumière, qui ont eu une sensation. Tout cela peut être bon, mais ça ne suffit pas. Si ce n'est que vous l'ayez véritablement expérimenté. Il y en a même qui disent qu'ils ont déjà été manifestés en tant que fils et filles de Dieu. Quand, comme c'est écrit dans Romains 8, oui, quand, mais où? Manifestés déjà en tant que fils et filles de Dieu. Alors ils disent, oh gloire à Dieu. J'ai eu un songe et j'ai vu et vu cela. Je crois au songe. Mais si le songe n'est pas en accord avec les Écritures, avec la parole, alors il est faux. Ceci est la vérité. Tout le reste. J'avais une coupure de journal. Je voulais essayer de la porter avec moi.
dans l'église œcuménique grecque et orthodoxe. Et comme ils avaient cet entretien ensemble avec le pape Jean 23, et comment est-ce qu'ils voulaient se réunir, se retrouver en tant que protestants et catholiques, entre protestants et catholiques, et il y a quelqu'un qui disait gloire à Dieu. Je crois que c'était le frère Norman qui m'a donné cet article et qui disait, oh, il est plus tard que nous le pensons. Frère Branham, vous voyez, et le président et tous ces les ministres et tous ces grands dignitaires du pays, tous ces grands, seront accompagnés de ces gens religieux. Vous voyez, notre nation est sous le contrôle catholique. Bon. Mais donner à Christ ce qui appartient à Christ. Si, par exemple, vous diriez à un cochon, tu es un agneau. Est-ce que ça veut dire qu'il serait un agneau? Et vous direz à un agneau, à un cochon, viens, je vais maintenant te brosser les dents et je vais te laver, je vais te donner un bain et je vais te nettoyer, et après tu seras pour moi un agneau, et etc. Je vais te frotter et tout, mais après il ne fera plus, tu ne feras plus, mais tu vas te comporter comme un agneau. Vous voyez, c'est pas possible. Ce n'est pas seulement de le mettre dans l'eau et de le laver, c'est de mourir et de naître. Un cochon ne va jamais pouvoir se comporter comme un agneau. Il va toujours continuer à faire. Vous voyez, des agneaux ont besoin de la nourriture d'agneau. Un cochon reste ce qu'il est. Bien sûr que c'est vrai. Et il a la nature de cochon. Il aime la souillure, il aime. Et sa nature, parce que sa nature est comme ça. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, alors vous êtes encore un cochon. Que Dieu nous aide. Vous mourrez en tant que cochon. Et vous restez là dans votre saleté jusqu'à ce que vous soyez réellement mort. Et que vous pouvez être régénéré. Et le sacrifice que vous avez apporté en tant que cochon sera consumé. Et plus rien ne reste, et plus rien ne nous intéresse ça. Et n'existe même plus. Mais ensuite, vous devenez un agneau. C'est un miracle. C'est un miracle. Mais d'abord, il faut que les choses anciennes soient passées. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire, bon, le cochon devient maintenant agneau. Devient maintenant, non. Il faut que cela se passe. Il meurt, consumé. Pas par en recevant des doctrines, des enseignements. Oh, gloire à Dieu, honneur soit à Dieu. Et pendant toute la nuit, gloire à Dieu. J'ai parlé en langue, frère Branham, je parle en langue, frère Branham, etc. Oh, j'ai été baptisé par l'esprit de feu. Oh, cela m'a rempli. Cela est venu sur moi. Ça m'a pénétré. Je te dis maintenant. Mais écoute, je n'accepte pas si tu me parles du baptême dans le nom de Jésus-Christ, le baptême d'eau. Vous voyez, vous êtes encore un cochon. Sinon, rien d'autre. Mes brebis entendent ma voix, ma parole. Je dis, frère, écoutez, montrez-moi un verset où quelqu'un aurait été baptisé dans les titres Père, Fils et Esprit. Montrez-moi ça. Il dit, oui, tout de suite, je te montre. Je l'ai ce verset, je te montre. Et ça, c'est seulement un Jésus seul. Non. Jésus seul est seulement des groupes, un groupe de personnes, une dénomination. Et l'un ne peut pas parler de l'autre car les deux sont faux. Je parle de vrai à 100% né de nouveau par l'Esprit de Dieu et vraiment abreuvé de la rosée du ciel. Que vous soyez méthodiste ou quoi que ce soit, ce qui est important, c'est que vous reveniez à la parole de Dieu et que vous fassiez vraiment l'expérience. Amen.
les gens d'aujourd'hui veulent des raccourcis. Ils pensent, oh, ça se passe au moment. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ce soir, ils sont dehors. Comme certains de ceux dont leur nom, comme nous le savons, nous ne voulons pas nommer leur nom parce que c'est, on ne peut pas mentionner le nom des tard dans un club, dans un bar. Et le prochain matin, le matin de l'assemblée, ils jouent la guitare dans l'église. Et jouent avec la même guitare dans l'église. La Bible dit dans le prophète Ésaïe, au chapitre 28, toute la table est remplie de vomissements. Et il est écrit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Pourquoi tu retournes là? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Si ils étaient nés de nouveau, ils seraient réellement une nouvelle créature. Ils ne peuvent plus repartir dans les souillures du monde. Comme c'est écrit au verset 20. 2 Pierre chapitre 2, verset 20. Comme par exemple un corbeau. Vous pouvez le peindre gris comme une colombe, ou bien blanc comme une colombe. Mais un corbeau reste un corbeau. Tous les différents oiseaux, vous pouvez les peindre, les changer comme vous voulez. Le corbeau conserve sa nature. Et il va aller vers des choses mortes. Vous savez qu'une colombe n'a même pas besoin de prendre un bain. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Une colombe est faite de cette manière, elle a de l'huile en elle. D'une manière que cette huile-là vient de l'intérieur à l'extérieur et abreuve les ailes et ses plumes et la nettoie. Ça vient de l'intérieur et ça abreuve les plumes et ça la nettoie. Et c'est ainsi qu'un vautour ou bien quelque chose pourrait penser et le dire, oh, j'ai ça aussi. Mais non, il ne l'a pas. Ils sont aspergés par de l'eau ici et là, par de l'eau soi-disant bénite. Non. Une naissance doit avoir lieu. Il y en a qui disent, loué soit Dieu, je vais à l'église. Exactement comme toi, alléluia, etc. Non, ce n'est pas comme ça. La colombe a de l'huile en elle. Et il n'y a pas d'oiseau qui est comme la colombe. Et elle se purifie de l'intérieur à l'extérieur. Elle n'a même pas besoin d'être attentive à la pureté. Elle demeure pure. Elle est pure. Oh, Sir Wayne. Hallelujah. Quelque chose à l'intérieur d'elle la conserve pure. Pas comme ça, oui, la semaine dernière, je suis devenu membre d'une église, etc. Non. Pas j'ai arrêté de fumer la cigarette et le cigare, etc. Oh, sœur, je devrais être comme ça, démodé et m'habiller à la vieille mode. Et maintenant, j'ai laissé pousser mes cheveux. Et maintenant, tout se moque de moi. J'ai beaucoup de problèmes à cause de mes vêtements et à cause de mes... Oh, c'est un problème que j'ai. Oh, que Dieu te fasse grâce. Frère, si dans votre cœur, vous avez reçu quelque chose, alors tout est lavé. Vous restez là, calme jusqu'à ce que vous soyez entièrement pur. Si vous êtes des brebis, vous n'avez pas besoin de fabriquer de la laine. La laine vient d'elle-même. Elle pousse d'elle-même. On ne dit jamais à un agneau, produis-moi de la laine ou bien porte-moi de la laine. Automatiquement, c'est sa nature. Vous portez les fruits de l'esprit. Vous n'avez pas besoin de dire, maintenant, je dois être comme ça, je dois être comme ça, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Non. Et ensuite, ceci, cela. Non, non, non. Non. Naissez de nouveau. Soyez simplement né de nouveau. Vous demandez, est-ce que je dois veiller toute la nuit?
et faire ceci et faire cela, est-ce que je dois faire des exercices de repentance? Non, certainement pas. Naissez de nouveau. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Et c'est ainsi que l'extérieur va automatiquement se mettre en ordre. Vous voyez, va être ordonné. Il faut qu'à l'intérieur, ça se soit lavé et purifié. Et ensuite, se lave. Et à l'extérieur, vous ne serez plus un cochon. Mais vous serez un agneau. Vous savez, je ne suis pas instruit. Alors, je dois parler en prenant de tels exemples. J'ai lu l'histoire de Jean-Baptiste. Lui aussi, il a utilisé des êtres cochons terrestres, comme par exemple race de serpent, etc. À l'aide de l'arbre, et mis à la racine des arbres, etc. Il a pris ces exemples-là de la nature et il a parlé de ça. Il a parlé ou il a comparé ce qu'il voulait dire avec des choses qu'il connaissait. Si vous voyez un cochon et un agneau, c'est une bonne comparaison. Chacun le comprend. Un cochon reste un cochon et un agneau est un agneau. Vous devez naître de nouveau avant de pouvoir être un agneau. Raccourci. Aujourd'hui, on veut avoir tout rapidement. Raccourci. Les pentecôtistes et etc. et d'autres veulent des raccourcissements pour aller au ciel. Et ils disent Alléluia. Raccourci, Alléluia. Raccourci, Alléluia. Ici, et encore un raccourci et Alléluia. Non. Et alors, ils disent, je vais faire ceci et faire cela. Alléluia. Mais ils veulent seulement des raccourcissements et le plus possible emporter avec eux le plus possible de choses du monde qui ne peuvent. Vous ne pouvez rien conserver du monde et il n'y a pas de raccourci pour aller sur le chemin du ciel. Vous devez passer par le chemin qui mène à Golgotha. Vous mourrez. Oh Dieu, qu'est-ce que je peux encore dire pour l'exprimer de manière correcte? Vous devez mourir réellement à 100%, mourir aux choses du monde et aux habitudes du monde, aux façons de s'habiller du monde. Amen. Pouvoir naître de nouveau. Aucun monde et aucun esprit du monde et les choses du monde, plus de raccourcis, tout doit mourir. Vous voyez, ils ne veulent pas croître, ils ne veulent pas grandir, ils ne veulent pas. Ils veulent avoir les choses rapidement, sans passer par la procédure. Nous devons grandir dans le Seigneur. Il y a une procédure de croissance. Et c'est nécessaire qu'il y ait de la croissance. Et pour passer par les différentes expériences, il y a des personnes sur la côte de l'Ouest. Il y a déjà un groupe qui disent, nous vous baptisons dans l'immortalité. Par le baptême d'eau, ils disent maintenant, vous êtes devenus des jeunes filles et des jeunes garçons. Et il y en a d'autres qui ont le manteau d'Élie avec eux, et ici ils ont des révélations, etc. Et ils pensent qu'ils sont déjà devenus des fils et des filles de Dieu, manifestés comme c'est écrit dans Romains 8. Idiotie, où est-ce que vous avez cela dans la parole? Des bébés ne naissent pas déjà adultes. Ils viennent bébés, nouveau-nés, et ensuite ils grandissent. Et jusqu'à qu'ils atteignent la stature adulte. Peut-être que je devrais lire encore dans Éphésiens, peut-être le verset 15, Éphésiens 4, quelque part ici dans ce verset. Peut-être nous commençons avec le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité,
mais en professant la vérité nous, dans l'amour. Mais plutôt, nous devrions exercer la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et en toute chose, grandir en lui, Christ qui est le chef. Quoi? Demain? Non. Grandir. Croître. Croître à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Croître en tout égard. Il est la tête, le chef, Christ. Il y a une croissance. Pas du jour au lendemain vouloir avoir déjà tout, mais il y a une croissance. Il faut croître. Je me rappelle à une prédication, la première prédication que j'avais tenue, la première, et donc je pensais que tout s'était bien passé, que j'avais bien fait, et je voyais que tous pleuraient, les femmes, les vieilles femmes pleuraient, tout ça. Cela m'a fait du bien, et je pensais qu'elle m'admirait en tant que jeune prédicateur. Et Dr. David était un vieux avocat. Il a dit: aujourd'hui, c'est toi qui vas prêcher. Et je suis arrivé et j'ai dit: alors, après la prédication, j'ai dit: alors, comment tu as trouvé? Et je pensais qu'il allait dire bien, parce que je pensais que j'avais bien fait. Et il a dit: c'est la chose la plus terrible que j'ai déjà entendue, que j'ai jamais entendue. Si grave, je n'ai jamais entendu une telle prédication. J'ai dit: mes frères David, ils ont tous pleuré. Il dit: mais même quand il y a un enterrement, les gens pleurent aussi. Et dans certaines occasions, on pleure. Et il dit: est-ce que tu sais, Billy, tu n'as pas prêché la parole. Tu as raconté des histoires, tu as parlé d'une mère qui avait perdu un enfant et qui a pleuré. On ne naît pas de nouveau par de telles histoires qui sont apportées. Elles ont pleuré parce que l'histoire les a touchées, mais c'est tout. Mais ce n'est pas la parole que tu as prêchée. Et je vous dis que j'ai compris quelque chose là. Il ne s'agit pas de louer, d'avoir des sentiments, etc. Il s'agit de la parole. C'est de ça qu'il s'agit, la parole. C'est elle qui vivifie et qui apporte l'expérience. Et il disait: Billy, je vais t'expliquer. Alors qu'en tant qu'avocat, j'avais à défendre mon premier cas, oui. C'était un problème entre femme et homme, entre mari et femme. Et la femme s'est levée, elle a pleuré. Et moi aussi, j'ai pleuré avec elle. Elle a dit: mais qu'est-ce que c'est ça ici? Faites sortir cette personne. Faites-le sortir. Et alors, il pleurait et il a dit: laissez s'il vous plaît les choses. Ce vieux juge, il avait de l'expérience. Il avait de l'expérience. Et il s'agit de quoi il s'agit. Il savait de quoi il s'agissait. Et que ça ne servait à rien qu'on pleure pour attendrir le juge. Et il a dit réellement... Et le mari donc a dit: mais monsieur le juge, combien de temps encore vous allez laisser ça comme ça se passer et supporter ça? Qu'est-ce que ça devrait être? C'est ainsi aussi avec beaucoup. Beaucoup de choses sont faites, mais il n'y a pas assez de paroles pour soutenir ça, pour grandir, pour que le peuple puisse grandir. On dit: oui, il a dansé dans l'esprit, c'est déjà bien avec lui. Non, pas pour moi. Non. Il faut qu'il croître. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il soit testé, il faut qu'il soit éprouvé dans le temps adéquat. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans l'histoire, est-ce que je prends trop de temps, tout le peuple dit non. Je ne sais pas, je crois que c'était la sœur, là-bas, la sœur Arnold, qui disait un amen. Et elle m'a raconté quelque chose et j'ai lu dans un livre d'histoire de l'Église d'un homme du temps de Saint-Martin et de quelque chose que cette personne avait expérimenté. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit: le Seigneur m'a fait l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Et il a dit: je vais prophétiser. Et Dieu va descendre, va me donner un vêtement blanc et je vais m'asseoir parmi vous. Et alors vous allez reconnaître que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. Et réellement, 20 minutes, cela s'est passé. Et l'homme avait un vêtement beau, blanc. Il est entré, il a dit: est-ce que je ne vous ai pas dit? Et ensuite il a dit: je suis un prophète de l'Ancien Testament. Mais le vieux
ancien. Il n'a pas suivi cela. Il a dit, mais ça, c'est pas selon la parole. Les prophètes ne sont pas faits prophètes. Les prophètes sont prédestinés à l'être. Et un prophète ne va même pas agir ainsi. Déjà, les fruits montrent qu'il n'était pas un prophète. Il a dit, restez ici pendant la nuit, jeûnez et priez, et chantez des cantiques. Un jour, ils sont passés, ou bien ainsi, et le vieux évêque, le vieux ancien, priait et disait, mais qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Ce vêtement semble être étrange et particulier. Je n'ai jamais vu une telle chose. Mais ils connaissaient quelqu'un. C'était un prophète. C'était Martin. Alors ils ont dit, tu sais quoi? Selon les Écritures, tu es faux. Mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas à Martin et présente-toi à Martin et dis-lui ce que tu nous as dit? Alors, il a dit, non, là, je n'ai pas le droit d'y aller chez lui. Devant Martin, je ne veux pas aller. Vous savez, n'est-ce pas? Vous voyez, l'or peut être testé. Est-ce que c'est réellement de l'or? Mais cet homme de Dieu là-bas, lui, il a la vérité, le Martin. C'est pour cette raison. Je te donne ce défi. Je vous donne ce défi. Que quelqu'un me montre dans la Bible que le baptême au nom de Jésus-Christ est faux. Montrez-moi où est-ce qu'une nouvelle naissance peut avoir lieu sans que vous mouriez auparavant et que vous soyez mort aux choses du monde et à l'esprit du monde. Il faut que l'esprit du monde vous quitte d'abord. Prenez cela comme un examen et regardez si vous réussirez le test. Il faut que l'esprit du monde nous quitte. Car Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2. C'est ainsi qu'ils ont dit, non, tu dois aller chez Martin. Et tout d'un subitement, ce vêtement blanc avait disparu. Oh, les pentecôtistes allaient bien avaler de telles choses aujourd'hui. Avec une grande couronne en or et tout bien décoré et en blanc et brillant et tout. Grand, une belle apparence. Bien peigné, tout bien repassé. Et les chaussures étaient en or. Et il est venu, il a dit, Martin, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais, ne me connais-tu pas? Seulement ceux qui ne voient pas de vision, peut-être ne pourront pas comprendre de telles choses. Mais vous savez que même des visions, il y a différents esprits aussi là. Et la Bible dit que même si c'est possible, les élus seraient séduits. Oui, les élus, ce sont ceux qui ont été prédestinés et sont nés pour un objectif bien précis, à ne pas être séduits. Et il vient chez un des élus, il vient à Martin, il a dit, est-ce que tu ne me connais pas? Je suis Christ. C'était Satan, et il dit, je suis Christ. Et il a dit, est-ce que tu vas me reconnaître? Martin a hésité. C'était étrange. Il a attendu un moment, il a répété, il a dit, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne me vois pas? Je suis Christ. Est-ce que tu ne me reconnais pas? 3-4 fois, il a dit. Et Martin a dit, Satan, je te connais. Mon Seigneur n'est pas encore couronné. Il sera couronné quand les saints seront autour de lui. Ça, c'est selon la parole. L'Église catholique a inventé tant de dogmes et des mauvais esprits se sont infiltrés. Ils prennent beaucoup de la parole et en font des dogmes et des interprétations. Éloignez-vous de cela. Vous voyez, des esprits vont s'élever et vont séduire tous. C'est ainsi que c'est écrit. Comme jamais ces ambraises ont résisté, étaient contre Moïse. C'est ainsi que de telles personnes vont être contre la vérité. Qui ont des pensées folles, ils feront des miracles, toutes sortes de signes. Éloignez-vous de ces gens, car la parole du Seigneur est venue aux prophètes, vint aux prophètes, et nous croyons les prophètes, car la parole du Seigneur vint à eux. Faites attention, il a dit, je te connais Satan, oui, mon Seigneur n'est pas dans une grande forme géante comme toi, mon Seigneur a quitté cette terre avec un vêtement qui était rouge comme du sang, qui était plein de sang. Et ses mains étaient percées de clous.
Et il reviendra tel qu'il est monté au ciel. De la même manière. Vous voyez? Mais, et il vint, et il avait même parlé en langue. Et c'était, ce sont les meilleures personnes que vous avez, n'est-ce pas? Écoutez, ne croyez pas à tout. Soyez, faites attention. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau. Et maintenant, vous serez formés. Vous devez grandir, quitter la nature de bébé et d'enfant et prendre. Christ doit prendre forme en vous. Regardez un nouveau-né, il prend forme, il grandit. Et on remarque que l'enfant grandit. Et ensuite, nous apparaîtrons à la stature parfaite de Christ. Ici, vous avez jour pour jour, année pour année. Il reste de la même manière. Nous allons vers la parole. Si vous demeurez en moi, vous dites, je suis né de nouveau, alléluia. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ça, avec le nom de Saint-Jésus-Christ, je ne le crois pas. Et le baptême d'eau, etc., etc. Vous voyez, ils font des miracles, mais ils sont emportés par les vents de doctrine ici et là. Vous voyez, mais nous avons la grâce de dire, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Nous grandissons en Christ. Par la parole, et nous prenons forme en Christ, à son image. Si, en tant que prophète, vous êtes né, vous restez prophète. Si vous restez chrétien, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, écoutez, grandissez jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Pas comme un jeune avocat qui avait commencé à pleurer alors que sa cliente était en train d'exprimer des choses devant le juge. Non. Il s'agit de grandir. Il faut grandir, être éprouvé et devenir adulte. Plus rester là dans les choses d'enfant et à atteindre la stature d'homme parfait en Christ. Et comme un rocher, nous sommes fermement fondés. Que les dénominations fassent ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent. Je dis, Seigneur, conserve-moi humble et petit. Et il nous conduira jusqu'à de l'autre côté. La stature parfaite en Christ. Regardez, si nous voyons comment est-ce que c'était ici et que après la mort, vous ne pouvez plus rien changer. Vous voyez, pas des expériences de sensations. Vous les avez tous déjà expérimentés, des centaines de vous. Et vous le voyez. Vous voyez ce qui s'est passé. Mais si ces gens-là meurent dans leur état, alors quoi? La mort ne change rien. Ô chrétiens, laissez-moi finir et dire la chose suivante. Pour finir, dire la chose suivante. Nous voulons nous tourner à lui et à sa parole avec toute la sincérité. Venez humblement comme cela s'appartient à des chrétiens et soyez nés de nouveau par son esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau esprit. De nouveau, alors vous êtes confirmés chrétiens. Par le fruit que vous portez, par la vie que vous vivez. Est-ce que vous avez tous compris cela? Vous êtes, ou bien alors vous serez reconnus par les fruits. En leurs fruits, vous les reconnaîtrez, pas à leurs paroles. Vous, peut-être que vous ne connaissez pas votre ABC. Mais vous pouvez être une dame, une chrétienne. Vous pourriez être haï du monde à cause de ce que vous avez fait. Mais si c'est à cause de son nom que vous êtes haï, peut-être que vous n'êtes pas un théologien. L'aveugle était né avec vous. Jésus l'a guéri. Vous voyez, de sa naissance déjà, il était ainsi, aveugle. Mais Jésus l'a guéri. Et quand il vint, et qu'il pouvait voir, et que les pharisiens, ont défié le Seigneur, et lui ont demandé de leur répondre, et ont demandé à cet aveugle, mais qui est cette personne? Il ne pouvait pas renier que quelque chose s'était passé en lui. Il n'était pas un théologien. Il a fait ce que les prédicateurs aujourd'hui font. Il ne voulait pas l'expliquer.
Il n'était pas un théologien. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, donne l'honneur à Dieu. Nous, nous sommes les théologiens. Nous, nous savons que cet homme est un pécheur. Jean 9. Mais ils ne pouvaient pas renier l'œuvre qui s'était passée. Et leur parole, ils ne pouvaient pas, eux, les contredire. Il a dit, je ne sais pas si c'est un pécheur. Mais il y a une chose que je sais. Il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je peux voir. Qu'est-ce qui se passe avec vous tous? Que ce soit un pécheur, ça je ne sais pas. Il ne pouvait pas le contredire. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je peux voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était confirmé. C'est vrai. Il a été confirmé. Quelque chose s'était passé que tous pouvaient voir. Toute sa nature a été transformée. Des ténèbres, il est passé à la vie. D'être aveugle, il pouvait voir. Un homme qui est né de l'Esprit de Dieu, qui avait une fois l'apparence de la piété et tous des miracles sont passés. Mais quand il naît de nouveau, alors il n'a pas besoin d'être un docteur ou bien d'être instruit, mais il croira chaque parole de Dieu. Il croira chaque parole. Tel que mes frères d'Afrique et mes sœurs le disent. Pardonnez-moi si je dis cela ici maintenant. Ses frères de peau noire et du sud, il lui a été dit, on disait de lui qu'il ne pouvait pas lire. Mais il avait toujours la Bible avec lui, partout où il était, malgré qu'il ne savait pas lire. Et on se moquait de lui. On dit, mais tu ne peux pas, tu sais pas lire. Pourquoi est-ce que tu portes toujours la Bible avec toi? Il dit, mais je crois ce qui est écrit dans ce livre. Et il disait même, je crois du premier couvercle au dernier couvercle. Je crois du couvercle au couvercle. Je crois même ce qui est écrit sur le couvercle. Car on m'a dit qu'il est écrit dessus, Sainte Bible. Et ils ont dit, mais comment est-ce que tu sais? Comment tu sais? Il dit, mais je crois simplement. Je crois et avec cela, tout est terminé. Je crois que c'est la sainte parole de Dieu et c'est tout. Ils ont dit, mais Mose, est-ce que tu ferais tout ce que la Bible dit? Il dit, oui, si c'est la Bible qui me dit de le faire, je le ferai. Vous voyez? Ils ont dit, bon, d'accord, Mose. Si là, ce mur-là est là, devant toi, comment est-ce que tu pourrais sauter un mur? Si on te dit de... Et si il me dit alors, il a dit alors, si la Bible me dit que Mose va passer par là, alors cela va avoir lieu. Comment? Je ne sais pas, mais cela va avoir lieu. Il a dit, si Dieu le disait que je dois le faire, alors je le ferai. Ils ont demandé, mais comment? C'est pas possible. Une muraille est devant toi. Et comment est-ce que tu peux passer par là? Tu vas casser ta tête au mur. Il a dit, non. Si j'arrive là devant le mur, Dieu va tout de suite faire une ouverture pour que je puisse passer. Ouais. Moi, j'ai seulement besoin d'obéir. Et lui fera le reste. Nous devons pouvoir prendre Dieu à sa parole. À sa parole. Et agir. Ici, il y a une jeune femme nerveuse. Elle pense qu'elle va mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu demandes comment est-ce que cela peut se passer. Accepte sa parole. Tiens-toi sur sa parole. Prends le mot. Tiens-toi sur sa parole. Et vois ce qui va se passer. Dis au diable qu'il est un menteur. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Ça n'a pas d'importance. Quel âge tu as? Dis à l'adversaire. Arrière de moi. Et il doit s'enfuir. Et tu verras ce qui se passera. Alors tu arrêteras de dire, oh, j'avais eu un infarctus, un arrêt de cœur. J'avais eu... c'est un mensonge, tu n'avais pas eu. Tu n'as pas eu. Tu n'as plus. Crois seulement la parole de Dieu, c'est vrai. Si vous êtes né de nouveau, Dieu vous confirmera. Confirme votre expérience. Confirmera votre foi. Dieu confirme sa nature en vous. Pas les fruits, vous les reconnaîtrez. C'est vrai.
Tous les serviteurs de Dieu ont été confirmés de cette manière par Dieu lui-même. Comment est-ce qu'on reconnaît, par exemple, un certain arbre, un pommier, par exemple, ou bien un cerisier? Comment vous le connaissez? Parce qu'il porte des pommes, parce qu'il porte des cerises. C'est par le fruit que vous reconnaissez l'arbre. Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'il est chrétien? Parce que les signes d'un chrétien sont en lui. La vie d'un chrétien est en lui. Comment est-ce que vous savez qu'il est un docteur? Quand la parole par lui est enseignée, comment est-ce que vous savez qu'il est un prophète? Parce que quand la parole, un docteur, la parole de Dieu sort de lui, mais un prophète, la parole de Dieu vient à lui. Il rend témoignage, il confirme la parole et il prouve que c'est la parole de Dieu confirmée. Comment est-ce que ça se passe? D'abord mourir. Vous devez mourir. Nous devons mourir. Et c'est ainsi que nous devenons une nouvelle création en Christ. Cela est lié à l'appel. Et nous demeurons à cela. Les fruits de l'Esprit nous accompagnent. Si nous sommes ses serviteurs. Et si nous sommes nés de nouveau. Alors les fruits de la vie de Christ nous accompagnent. Comment est-ce que vous reconnaissez un cerisier? Parce qu'il porte des cerises. Comment est-ce que vous connaissez un chrétien? Parce qu'il agit comme un chrétien. Parce qu'il marche comme un chrétien. Parce qu'il parle comme un chrétien. Il vit comme Christ vivait. Il est vainqueur sur le péché. Qu'est-ce qu'il fait? Christ n'a pas fait ça. Il n'a pas dit, regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. Christ n'a jamais fait ça. Il a dit, il a donné tout l'honneur au Père. C'est vrai. C'est ainsi que vous le faites aussi. Nous les reconnaissons par leurs fruits. En vérité, je vous le dis. Si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Ça, ce n'est pas mon message de la nouvelle année. Ça, c'est mon conseil adressé à vous, chrétiens. Jean 3, verset 3 et ensuite verset 5. D'abord, voir et ensuite entrer. Vous qui aimez Dieu, si vous venez au jugement de l'autel des reins et que vous naissez de nouveau, et que vous voulez naître de nouveau, vous devez vous placer sur l'autel du jugement des reins. Il ne s'attend pas à ce que vous vous releviez, mais restez là, allongé. Ne vous relevez pas. Mourez. Et tellement si tout est passé avec vous, que vous ne vivez plus. Si vous n'êtes même pas encore prêt, n'allez même pas vous allonger. Soyez sincère avant de le faire. Ensuite, faites-le. J'ai encore plusieurs pages. Je dois venir à la fin. Allongez-vous sur l'autel de Dieu, des reins de jugement. Soyez mort au monde comme Christ était mort au monde. Mort. Soyez mort comme le serpent des reins était mort et a été élevé sur un poteau des reins. Il n'y avait aucune vie en lui. La vie avait complètement disparu. Christ mourut. Il était mort. On l'a descendu de la croix. On l'a allongé dans la tombe. Il était mort. Et ensuite, il est ressuscité pour notre justification. Et nous mourons avec l'agneau sur le sacrifice, sur l'autel et avec lui. Pour la justification, nous ressuscitons pour marcher en nouveauté de vie. Car sa vie qu'il a ressuscité des morts, la même vie nous a fait sortir de notre état mondain, de la nature du monde, de l'esprit du monde. Et nous a fait devenir des nouvelles créatures en Christ, dans le royaume de Dieu. Et scellés pour le jour de la rédemption de notre corps. Être ravi dans le royaume de son Fils. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un naît de nouveau, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. N'essayez pas de le comprendre. Jésus ne pouvait pas accepter le seul fondement de sa parole. Vous ne croyez pas comme ça aveuglément. Vous dites, Seigneur, Seigneur, mets-moi à mort. Pas des expériences de cette façon, mais tue-moi. Tue-moi. Ôte-moi le monde. De moi, l'esprit du monde. J'aime encore les choses du monde.
m'habiller comme ce siècle présent. Les modes et tout ça. Je ne vais pas parler de la beauté de ce monde. Le monde est beau, la nature, etc. Mais je veux parler des souillures de ce monde, du péché qui est rentré dans le monde. De mourir à toutes ces choses. C'est ainsi qu'elles n'auront plus de pouvoir sur vous. Elles vont être sales pour vous. Vous voyez? Vous pleurez et vous invoquez le Seigneur. Et plus vous voyez les choses du monde et plus vous avez envie de vomir, comme c'est écrit dans le psaume 119, verset 136, vous ne pouvez plus faire de compromis. Il n'y a plus de place pour des blagues, pour de la légèreté. Si le monde existe encore, il est mort pour vous malgré tout. Vous ne pouvez plus avoir part à cela et prendre part à ces choses. Vous êtes mort. Ne le faites pas. Mourez aux choses de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des chrétiens nés de nouveau. Nés de nouveau. Alors, vous n'avez plus besoin de faire des reproches. Femme, comment est-ce que c'est difficile de vous dire? Ou bien alors que vous dites, femme, oh, c'est la chose la plus difficile pour moi de laisser pousser mes cheveux. Vous, homme, c'est difficile pour moi d'éviter de me mettre en colère et de m'irriter. Non. C'est simple. Donnez au Seigneur. Exhorte l'autre avec amour. Bien-aimé, pas comme ça. Et si quelqu'un te frappe sur la joue, tu n'as pas besoin de faire sortir ton couteau. Si l'un vous frappe sur la joue, vous pouvez simplement dire, mais pourquoi tu l'as fait, mon frère? Pourquoi tu le fais? N'est-ce pas? Ça, c'est être chrétien. Si quelqu'un te fait quelque chose de mal et dit quelque chose de mal sur toi, il raconte des choses sur toi, au lieu d'en faire tout un problème, retirez-vous et dites, Père Céleste, cet homme est immortel. Je te prie pour lui. Ôte cet esprit de calomnie. Ne permets pas qu'il continue à faire ces choses. Je te prie, sauve sa vie, etc. On prie pour la personne. Vous devez, de tout votre cœur, vouloir son bien et vous allez voir que Dieu va le bénir et va l'aider. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous allez réellement aimer. Vous ne vous aimez pas à cause de vous. Vous restez loin des choses de ce monde. Mais vous aimez ceux qui vous font du mal. Et vous-même, vous vous conservez pur de la souillure de ce monde. Pas la connaissance du Seigneur. Comme c'est écrit dans 2 Pierre 3 et dans Jacques. Vous n'avez pas besoin de dire, je fais ceci, je fais cela. Je vais maintenant mettre de l'ordre dans ma vie. Je vais commencer ceci, cela. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais dire à celui-ci, cela et cela, et je vais mettre de l'ordre là et là. Non. Est-ce que vous ne voulez pas maintenant accepter le Seigneur? C'est ce que je veux vous dire. Je veux vous convaincre. Acceptez le Seigneur. Oui, je vous aime. Oh, comme j'aime ce petit groupe de personnes. Comme j'aime venir parmi vous. Venir dans ce bâtiment et regarder autour de moi. Vous savez ce que je voulais toujours voir? C'est une église remplie du Saint-Esprit, dans laquelle le péché ne peut pas entrer. Quand un membre fait quelque chose de faux, alors l'Esprit le révèle. Et la crainte vient sur tous les chrétiens. Et que tout soit mis en ordre. Et que dans l'Église, on prie pour ça. On remet tout au Seigneur. Et que cela ne serait pas bien. Et qu'on puisse être purifié. Et s'il est impur, quelqu'un qui est impur rentre et s'assied parmi nous, d'abord, le Saint-Esprit va parler et va révéler, etc. Et il leur dira ce qui n'est pas en ordre dans leur vie. Et c'est ainsi que l'Esprit va agir dans chacun, dans l'un et dans l'autre. Et tous forment une unité, une union. Nous sommes tous une seule personne, car nous sommes tous membres du même corps. Tous ceux qui sont nés de nouveau réellement, par le Saint-Esprit, rempli du même esprit, baptisé dans le même corps. Est-ce que cela ne serait pas merveilleux? Nous pouvons l'avoir. Dieu l'a promis. Mais d'abord, nous devons mourir. Chacun mourir et être enseveli. Ensuite, ressuscité avec lui. Marcher en nouveauté de vie. Dans les lieux célestes, assis en Christ. Marchons dans sa présence. Nous voulons maintenant couper les têtes pour la prière.
ici il y a des mouchoirs. Saint Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, la sainteté pendant que nous nous tenons ici dans cet endroit. Nous reconnaissons que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous nous trouvons en elle et nous avons communion avec le corps de Christ qui est la maison de Dieu. Les membres du corps sont rassemblés. L'un vient d'ici et l'autre de là-bas pour cette réunion. Et aujourd'hui, en ce jour, un enseignement comme dans une école du dimanche est assez longtemps apporté, mais Père, je crois que cela a été déterminé par toi d'apporter ces choses pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la naissance et la résurrection. Ce que ça veut dire d'être né de nouveau. Nous devons mettre les premières choses à la première place et ne rien sauter, nous devons mourir pour pouvoir naître de nouveau. Toi, tu ne changes pas ta loi. La nature, la loi de la nature prouve, car chaque semence naturelle doit d'abord mourir pour pouvoir naître de nouveau. Et nous reconnaissons aussi que nous aussi, nous devons d'abord mourir pour que nous puissions naître de nouveau. C'est ainsi que, Seigneur, beaucoup sont venus. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Combien, beaucoup se sont reposés sur certaines expériences qu'ils avaient et pensaient être nés de nouveau. Mais les fruits de leur vie montrent qu'ils viennent du mauvais arbre. Père, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai parlé de cette manière. Le frère Nivelle m'avait demandé d'apporter ce message. Ainsi, je l'ai fait de cette manière. Père, je l'ai fait dans l'amour et de tout mon cœur pour que les gens reconnaissent. Et qu'ils ne puissent pas comme ça se reposer sur une petite expérience qu'ils avaient, mais qu'ils puissent de manière sérieuse vraiment vivre pour le retour. Pour ta venue qui est proche. Pas seulement pendant les réunions, pendant les dimanches, etc. Mais même quand ils sont à l'extérieur, pendant que la pression est là, qu'ils puissent tenir ferme. Et ne pas marcher dans leur propre esprit, mais dans ton esprit, ne pas marcher dans leur propre pensée, mais dans tes pensées. Oh, reprends-les quand ils doivent être pris. Ça, c'est la question, Père, que tu puisses pouvoir le faire. Et si nous voyons que c'est complètement impossible que l'un sauve l'autre, et que, oh Dieu, toi, tu as préparé un chemin et que tu as apporté un sacrifice parfait, et que ça, c'est la seule possibilité par laquelle nous pouvons venir, pas une église, pas une dénomination, pas des sensations, pas une doctrine, mais sur le chemin du Christ. Tel que le premier homme a été justifié et qu'est venu avec sur le sacrifice avec l'autel, sur l'autel avec son sacrifice, Abel. C'est ainsi que aujourd'hui, jusqu'à cette et pour pouvoir marcher avec lui en nouveauté de vie, étant ressuscité avec lui, assis dans les lieux célestes avec lui. Permets le Seigneur que cela passe, que cela ne passe pas à côté des cœurs. Nous sommes nés d'en haut. Nous voulons penser de cela aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, bénis chacun de tes serviteurs aujourd'hui avec des messages puissants. Que leur âme soit remplie. Des hommes grandissent et viennent de partout. Qu'ils soient remplis. C'est ton esprit, Seigneur. Amen.